Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je viens vous faire la vidéo des coloriages terminés des 2 derniers mois. Je dois en avoir fait un peu plus d'une vingtaine dans différents livres. Donc on va commencer. Alors, je vais commencer par vous faire voir celui-là parce que c'est un des derniers que j'ai fait. Stitch et Lilo. Ensuite, j'ai commencé donc le mandala mystère de chez Coloria. Donc, j'ai fait la page de garde et celui-là. Ouais, c'est tout. Ensuite, dans le trompe-l'œil. Alors, j'avais fait Zootopie. Il me semblait que j'en avais fait un autre, mais non, c'était en mai, donc vous l'avez déjà vu. Ensuite, dans le classique tome 3, j'ai fait, non, pas cela, celui-là. Donc Vanellope. Ensuite, dans le tome 1, j'en ai fait plusieurs. Donc j'ai fait celui-là. Stitch. Et ensuite, celui-là. Voilà. Ensuite, j'ai commencé donc le Babies et j'ai fait celui-ci. Et mini. Ensuite, dans le tome 7, donc là j'avais fait celui-là. Ariel. Toy Story. Donc ces deux-là. Et celui-ci. Voilà. Ensuite, dans le tome 6, j'ai fait celui-ci. Celui-là. Polochon. Et celui-là. Et le dernier livre, donc c'est le grand format.
Mickey et ses amis, que j'essaye de terminer. Donc j'ai fait celui-là, cette double page et celui-là. Donc là, il m'en reste 100 en fait. Il me reste pas beaucoup, donc je vais essayer de le terminer. Comme ça, ma fille pourra le prendre pour elle. Pour le matériel utilisé, c'est au feutre et donc c'est plusieurs marques. Généralement, c'est les fibres à color, les Crayola, les Staedtler et ceux-là de chez Action. Voilà, les Staedtler et les Stabilo. Généralement, ça, je tourne entre ça. Après, s'il me manque d'autres nuances, je vais dans les autres feutres. Mais voilà, j'utilise un peu toutes les marques. Donc, pour celles qui me demandent à chaque fois qu'est-ce que j'utilise, c'est un peu de toutes les marques de feutre que je possède. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.